Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un petit tuto pour le tour E-Lite. Donc E-Lite, c'est une démo que je vous avais fait il y a quelques jours avec un portable et un D-Lite, un faux pouce D-Lite. Donc je vais vous faire le tuto parce que j'ai eu des commentaires qui m'ont demandé comment faire. Donc je vais vous expliquer tout ça. Donc il va vous falloir un D-Lite. Donc voilà. On appuie dessus, bah ça fait tout rouge comme ça. AFP. Il vous faudra un iPhone. Il vous faudra deux applications. Donc pour faire les effets, vous aurez les différents effets, vous aurez besoin de deux applis. Donc il y en a une qui s'appelle Malight. Donc juste là. Je sais pas si vous voyez bien. MyLight, et à côté, il vous faudra l'autre appli Flashlight. Donc vous téléchargez ces deux applis-là. Donc avec MyLight, vous pourrez faire que l'effet de la lumière qui bouge, comme ça. Pour les autres effets, vous aurez besoin d'autres. Donc c'est à vous de voir quels effets vous allez faire. Et par exemple, avec MyLight, celui-là, vous tenez votre portable comme ça, avec votre index ici, vous allez pouvoir éteindre et allumer le flash à volonté comme ça. D'accord? Et donc vous commencez à allumer votre téléphone et vous dites au spectateur, placez votre index sur la lumière, et vous voyez, si on place l'index sur la lumière, ça fait une lumière rouge comme ça. Et là, à partir de ce moment-là, vous vous préparez à éteindre et appuyer en même temps sur votre FP en même temps. Donc le spectateur pose son doigt, vous lui dites que ça fait rouge, il l'enlève. Vous, vous mettez le vôtre, vous préparez votre FP ici, comme ça. Et au moment où vous allez éteindre la lumière, vous allez appuyer sur votre FP en même temps. Comme ça, et vous allez venir prendre, comme si vous preniez la lumière rouge, vous descendez, vous la remontez, et vous rappuyez. D'accord? Donc il faut être très synchro, il faut bien, bien travailler le tour en fin de compte. Vous êtes là, vous appuyez, vous mettez là, et vous rappuyez. Donc c'est comme si on venait de prendre la petite lumière rouge. Avec le FP, d'accord? Comme ça. Comme ça. Donc ça, c'est le premier effet. Ensuite, pour faire le deuxième effet, bah, vous gardez cette application, la première MyLight. Vous pourrez faire le mouvement, comme je vous ai montré, de la petite lumière rouge. Et vous pouvez aussi faire ce petit effet qui est très sympa. Donc là, pareil, vous montrez le téléphone. Vous mettez votre doigt, pareil, en disant, vous voyez, là, vous avez mis votre doigt, là, il devient rouge. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va choper la lumière rouge, en fin de compte. C'est-à-dire qu'on va éteindre et en même temps prendre, la lâcher et la remettre en lumière blanche. Donc, pareil, il faut être synchro. Vous mettez votre index là. Et au moment de prendre la lumière rouge comme ça, vous allez appuyer comme ça. Vous voyez, on a la lumière rouge. On appuie pour éteindre la lumière blanche. On prend le FP. On va faire un mouvement de va-et-vient comme ça pour genre lancer la lumière rouge sur le téléphone. Donc là, pareil, il faut être très synchro pour que l'effet soit bien, agréable à voir. Donc ok, on met ça, on prend la lumière et on jette comme ça. D'accord? Ça, ces deux effets-là que je vous ai montrés, vous pouvez les faire avec MyLight, l'application. Ensuite, pour le dernier effet que je trouve vraiment super, je pense que c'est le mieux des trois. Vous prenez l'autre appli Flashlight. Et là, ce qui est bien avec cette appli-là, c'est qu'il peut entendre le son et donc la lumière peut se déclencher au son. Vous voyez, en claquant des doigts, la lumière peut se déclencher. Donc, ce qui est génial avec ça, c'est que pareil, vous continuez votre routine et vous allez prendre la lumière comme ça. La lâcher comme ça. Donc pour faire ça, en fin de compte, il vous faut régler l'application ici, donc micro ici, où il y a des petites mains ici, comme ça. Là, vous l'activez. Vous posez votre téléphone et vous dites, vous voyez la lumière là? Ben, je la prends. Vous la remettez comme ça. Donc là, pareil, il faut vous travailler là, il faut que ce soit vraiment synchro. Donc comment ça marche? Donc avec votre pouce, en touchant le téléphone, vous voyez, ça fait un petit bruit. Et ça allume ou éteint la lampe. Comme ça. D'accord?
Donc, vous allumez votre iPhone comme ça et vous dites, vous voyez la lumière là? Et en touchant en fin de compte avec le pouce, vous allez pouvoir prendre la lumière comme ça. Vous touchez, vous dites, regardez la lumière là, et vous prenez. Donc là, il faut de synchro, il faut bien travailler, mais c'est facile, vous allez voir. C'est dès qu'on touche en fin de compte, c'est une seconde après même pas. Hop, on prend, on claque et on lâche. Donc là, on touche, donc on prend la lumière. Et en claquant des doigts, ça va faire apparaître la lumière blanche. Donc il faudra que vous lâchiez votre FPO en même temps, une seconde après le claquement de doigts. On claque des doigts et on lâche. D'accord? Là, je l'ai fait un peu tôt. Donc il faut bien que vous travailliez ça. On prend comme ça et on lâche comme ça. Voilà. Bien travailler la coordination. Comme ça. Donc voilà. Moi, je trouve que c'est vraiment un effet sympa. Ça change un peu parce que le D-Light, on connaît tous les tours avec les D-Light. Et le fait de le faire avec le iPhone, comme ça, je trouve que ça donne vraiment une autre particularité autour. Je trouve ça vraiment sympa. Donc voilà. Donc si vous avez des D-Light et un téléphone, vous pouvez vous éclater avec ça. Voilà. Donc j'espère que ça vous a plu ce petit tuto. Et je vous dis à bientôt.